Coucou, je vous reprends, on est le vendredi 11 août. Du coup, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon frère. Mais aussi, je viens de me lever, il est midi 20. Moi, j'ai la tête dans le pâté, je me suis rendormie. Je me suis levée, il y a soeur, elle me dit. Elle fait un grand sourire, regardez, je vais vous montrer. Mais que se passe-t-il dans ce petit placard? Oh, je crois que Didis, elle a eu ses petits bébés. Regardez comme elle est trop mignonne. Bon, du coup, comme dit Dudy, elle a eu des petits bébés. Du coup, je pense que les garçons seront contents quand ils se rentreront de pouvoir les voir. Ils vont être trop contents. Ça nous rassure qu'on part en vacances après. Je voulais pas, ça me rassurait pas trop de partir quand pendant qu'elle était enceinte. Donc là, je suis contente. Et ils sont trop mimes. Enfin, ils ont l'air trop mimes. Ils ont l'air d'en avoir un tout blanc et noir comme petite vache. Un noir avec des rayures et un noir avec des rayures tachetées un peu différemment. Trop mignon. Bref, je vais prendre mon petit déj, un pain au chocolat et du jus de fruits. Et c'est parti pour une nouvelle journée ensemble. Bon les gars, je vous reprends, j'ai même pas du tout regardé l'heure, je suis dans le canapé. Du coup, Sarah m'a lissé les cheveux. Je trouve ça grave mimes, j'aime trop. Après, je vais mettre une jolie robe, t'as vu? Parce qu'on va manger au Wokasi ce soir, tous les trois, voilà. Et c'est trop bien. Oh non, sœur, je sais pas si vous l'avez... Oh la connasse, elle est venue me péter dessus. Sœur, t'es immonde. J'en ai mort. J'ai dit je fais du vlog parce qu'elle fait pas. Je vlog pas assez. Elle vient, elle me pète dessus. C'est quoi ça? En plus, bref, elle a retrouvé des raisins par terre parce qu'hier ils sont bagarrés avec des grains de raisin. C'est n'importe quoi. Là, du coup, je voulais vlogger parce qu'en fait, du coup, j'avais pas beaucoup vlogué hier et aujourd'hui. Et du coup, j'étais en retard dans les montages. Simplement, c'est comme il y a un chat et tout. Bah, j'aime bien, je profite, je suis là et tout. On papote, on fait rien. On regarde Tout Broke Girl. Du coup, on a la saison 5, épisode 9. Et ça me fait plaisir, tout ça, mais bref. Là, je me suis dit, faut que j'aille faire du montage pendant qu'il va à la douche et tout. Sœur, elle m'a, du coup, lissé les cheveux. Et après, je me maquillerai et tout. Comme ça, ce soir, on ira au Wokasi, on va manger. Du coup, j'ai trop hâte parce que j'ai trop envie de manger chinois. J'aime trop, j'aime trop. Enfin, j'ai envie de nem et je sais qu'au Wokasi, il n'y aura pas de nem végé. Vous voyez, toujours à crevettes, porc ou poulet. Mais c'est pas grave, normalement, il y a des petits légumes frits et tout. Et je peux faire du wok au curry, donc ça, c'est trop cool. Ça, je remets ça en place. Hop là. Ils sont en train de faire les cons derrière là-bas, je sais pas ce qu'ils font. Et du coup aussi, j'arrête pas d'aller voir Didis avec ses petits bébés. Elle est trop mignonne. J'ai envie de vous montrer tout le temps. Les bébés, ils sont trop choupis. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous faites encore? Ils sont, je vous ai dit, ils sont repartis avec leur raisin. Elle a trouvé du raisin par terre, c'est mort. Non mais... Vous êtes des gamins. Pendant ce temps-là, on a dit 10 avec les petits bébés, la 10. On voit les petits bébés. Elle a fait des beaux petits bébés, la 10. Je me suis maquillée, regardez.
petit make-up basic de chez Basic, petit liner et tout. Et j'ai mis cette petite robe en outfit que je trouve vraiment trop mignonne. J'ai pris mon petit gilet blanc au cas où. Voilà. Il est 22h30, on est rentré, mais là on va aller déposer chat chez lui, enfin chez sa famille en gros, parce que demain il sort, tout ça, tout ça, bref. Et du coup, bah là on va ressortir et tout, mais on est au resto du fou Asiat avec chat et deux de ses amis, du coup c'était trop cool, on a bien rigolé. Et là du coup on va repartir dans de nouvelles aventures, on a bien mangé aussi, j'ai pas trop mangé pour une fois, j'ai pas mal au ventre, vous voyez, j'ai assez mangé mais pas trop. C'était cool. J'ai le front qui est lui de ouf, il fait lourd et chaud bizarre. J'ai hâte, c'est de me démaquiller et de me mettre dans mon dodo, devant Kaamelott potentiellement. Voilà. Sinon, j'ai eu plein de compliments sur mes cheveux lisses. Donc, je suis contente. J'aime bien quand je les lisse. Ah, voilà. On rentre du resto chinois, je mange un Kinder, tout va bien. Je crois qu'on a un aussi. Oui, vas-y, sœur. Du coup, je disais, il a fait mal au dos. Oui. Et du coup, sœur, elle va peindre le sol des WC avec la peinture ici même. En plus, elle cherchait le pinceau, mais nickel. Je vais vous montrer où il était le pinceau. Elle a dû prendre un pinceau neuf et tout parce qu'elle trouvait pas le pinceau, mais heureusement, il était resté dedans en fait. Et du coup, ça va être pour peindre le sol là, vu qu'elle avait déjà fait le contour. Comme ça, ça va sécher cette nuit et tout, et on aura enfin fini le chiotte. Waouh! Ah bah non, ça refilmait. Petite, petite, petite couille. Parce que, en fait, les petits chatons, vu qu'ils sont nettoyants, on a l'impression que ça se voit pas trop dans l'attache là. Mais en fait, vu qu'il y a le petit le cordon ombilical, tout ça gonflé, des fois, on dirait qu'ils ont des petits, petits testicules. Alors ça fait des morceaux. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, petit chaton, sur le dos, là, de ta mère?